Quoi? Madame, nous tenons, j'y vais pas mal, hein? Ça m'a l'air invisible, j'y vais pas mal. Correct? Nous finissons de donner une déclaration, un full statement à la police au centre CID concernant des propos infâmes que Saoka Soudan fin faire dans ce discours de mardi. Un propos infâme parce que quand on prend ce discours-là dans son ensemble, il y a un propos extrêmement grave et totalement inacceptable dans un pays paisible comme à l'île Maurice. Il fait vraiment diffame moi-même et je demande maintenant que la police agisse parce que ben, l'avocat peut expliquer sous plusieurs sections de la loi. Nous finissons trouver donc qui Soudan responsable de graves fautes et aussi troubler la paix publique et incite surtout un groupe extrémiste qui est capable d'exister à Maurice, incite un groupe extrémiste à faire un acte de violence et même de terrorisme. Donc c'est un incident extrêmement grave. Entre-temps, on attend que la police et le Premier ministre Pravin Jagnat prennent d'autres responsabilités. Donc commissaire de police, c'est non pour prendre ses responsabilités. Lui aussi, c'est un poste constitutionnel et le Premier ministre Pravin Jagnat Bizin prend ses responsabilités, arrête d'être silencieux. Au moins, on connaît si pas il y a un vrai Premier ministre ou bien l'IPN Premier ministre fait semblant. Au courant, qui Saoka Soudan fait une menace démissionner comme député dans sa circonscription numéro 15, si jamais c'est lui comme ministre, mais j'espérais donc que Pravin Jagnat pour montrer le courage nécessaire dans la circonstance. Après ces propos-là, est-ce qu'il vous plaît pour la sécurité? Et non, cette appréhension concernant la réaction que le groupe extrémiste est capable de faire suite à des propos infâmes et totalement fausses qui Soudan finit mettre l'os au discours à Flak mardi. Oui. Il y a plusieurs sections quand M. Duval fait sa déclaration. Et il y a la section 282, 283 du Code pénal qui traite de sédition, qui traite d'attiser la haine raciale. Et nous donnons une déclaration aussi concernant le terrorisme, parce que nous pensons que M. Duval pensait que ça va un propos-là capable d'inciter au terrorisme à Maurice. Et dans la section aussi concernant diffamation criminelle. Et voilà, à peu près. C'est comme dire terroriste, ça veut dire dans le pota. Oui, dans le pota, exactement. Et nous disons, comme on dit d'ailleurs, que ça va être un propos qui nous tenait là, capable d'inciter certaines personnes pour prendre une action très désagréable. Okay. Et ce sont des propos très inflammatoires que M. Duval trouvait. Et voilà. En ce qui concerne M. Soudan, si vous avez un propos qui peut être dans l'Assemblée, est-ce que ça aussi, tu mets l'emphase en ce qui concerne l'Assemblée? En ce qui concerne l'Assemblée aussi, nous nous posons, comme quoi il est capable d'être un contempt of the Assembly sur la section 6. Un E, de National Assembly Privileges, Immunities and Powers Act. Okay. Voilà. Est-ce que M. Zaviver compte écrire une lettre speaker aussi là-dessus? Mais là, pour le moment, là, le Parlement est en congé. Là. Ouais. Il pourrait être ça après. Okay.